Salut à tous, c'est moi BJ qui reviens pour une réaction à un clip de K-pop. Et cette fois-ci, on a encore quelque chose de 2018 assez récent, début de l'été, le 30 mai 2018. Et c'est Samuel qui va nous chanter Teenager, qui nous propose Teenager en collaboration avec Lee Rohan. Donc, eh bien, je vais me faire ça tout de suite, j'ai aucune idée, c'est une des suggestions que j'ai dans ma liste et que je fais au fur et à mesure de ce que je vais découvrir, mais je vais le faire tout de suite pour vous. De la géométrie, des maths, ah, c'est que le logo de la maison de production, parce que moi je suis pas bon en maths. Hein. Brave Entertainment. Ouais, ouais, tu me parles. Lui, il peut pas parler, par contre. Teenager, on a compris. Teenager. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Réveille-toi! Ouh. Il est sur une plage ou quoi? Ah, je sens que ça... Oh, des petits chats! Oh, il y a une... Ils sont dans l'espace ou quoi? C'est quoi ces conneries? Ils sont sur la lune? En tout cas, ça a l'air triste d'être sur la lune. Oui! Oh! Oh, direct, j'adore. Refrain top. Il est top ce son. Il y a une fille, ça fait deux fois qu'on la voit. C'est elle qui pleurait, je crois. Qui a une voix de garçon, mais c'est un peu choquant là. Ça fait peur ton truc. Des pyramides. Non, arrêtez avec cette voix de garçon sur la fille, ça me choque. Elle pleure, hein. Le rap là avec la voix grave, c'est top, top, top. Le son est top, il y a plein de petits sons, on dirait des gouttes d'eau qui tombent. Le décor de fou, on comprend rien d'où ils sont. Pourquoi il y a une hirondelle ou une colombe? Oh. Ce refrain de fou! Ça allait être dur d'être adolescent. Bien sûr, des avions, allez, des avions de chasse sur la lune, on est bon. Bon, c'est pas sur la lune, tout est détruit, délabré, je sais pas pourquoi. C'est le futur ou quoi? Moi aussi, je vais mettre une chemise trop large et je vais juste rentrer un pan comme ça. Ah, on a vu Teenager. C'est une version alternative du refrain, c'est pas mal. Le son, la mélodie du refrain, c'est top, c'est de la bombe. Alors j'imagine que c'était que des danseurs et pas un groupe, et que Samuel c'était le gars qui chantait tout le long, et que le featuring de Lee Rohan c'était, je sais pas si on l'a vu, mais c'était le gars qui rappait, et on a vu la fille à la place. Dites-moi si j'ai raison. Ah, vous l'avez vu? J'adore le refrain, c'est un truc de malade. Ce son, enfin j'ai rien à dire de plus. Je me suis régalé encore, merci, c'est grâce à vous que j'ai tout ça, que toutes ces expériences de K-pop, c'est génial. Je vous adore, c'est top, je me régale. Mettez un pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît, mettez plein de pouces bleus. Commentez pour me suggérer des titres, pour me dire ce que vous en avez pensé, ou parler entre vous, c'est bien de créer une communauté, c'est pour ça que je le fais aussi. Et d'ici à ce qu'on se revoit, prenez soin de vous. Ciao, à la prochaine.